Soir. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans Quest Wars. Alors, ce soir, on va continuer Advance Wars 2. Bam, bam. Alors, campagne continuée. On était à Blue Moon, donc ça c'est les dernières missions. Bon, ça commence à être vénère là. Empêche l'ennemi de tirer le missile géant. D'accord. Ah ben ça, Général Olaf. Regardez ça, c'est... Mais, que... Par le blizzard, qu'est-ce que c'est? On dirait un silo à missile. Un très gros silo à missile. Je doute qu'il soit facile de se débarrasser de ce monstre. Envoyez tout ce qu'on a. Aucune base Black Hole ne fait le poids face à nous. Tu as vu la taille de ce machin? Je m'inquiète pour toi, patron. Que devons-nous faire? Piston, on s'occupe du renseignement. Il nous faut trouver un moyen de nous débarrasser de cette chose. D'accord. Je pense qu'il faut faire finir en moins de 15 jours, sinon... Ok, d'accord, waouh. Olaf est arrivé, vos jours sont comptés. Je suis venu t'aider. C'est Andy de Ranchstar. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de te le dire, je suis venu pour donner de l'aide. Blue Moon n'a pas besoin d'aide. Nous avons le pouvoir de... C'est un silo à missiles géant. 15 jours, il lancera un missile. Et ce missile effacera la moitié de tes troupes d'un seul coup. C'est ridicule. En tout cas, c'est ce que Nell m'a dit. Il faut arrêter ce missile. Je vais t'aider. Faisons-le ensemble. Puisque tu insistes, c'est d'accord. Commence pas à me faire chier, papy Olaf, là. Mais la map est géante. Et coucou Happy, comment va? Ah mais Olaf, il est super loin. Quand je pense à Olaf, je peux que penser à la Reine des Neiges, putain c'est horrible. Alors. Waouh, mais il a des nez au tank. Mais c'est quoi ce truc de bas? Attends, c'est quoi ce truc de porc? Ok, alors je pense qu'il faudrait quand même détruire ces merdes aussi. La référence, bah oui. Moi je connais un seul Olaf. Ah, construire un aéroport, ça peut être pas mal. Et j'ai pas beaucoup d'unités. Ah bah, il faut capturer à mort là, je crois. Safe, ok. Sapin et un, c'est bon là. Je sais pas si c'est bon ce que je fais, mais bon. L'armada là. Oh, regarde-moi ça. Ah, il a trois bombardiers. Eh non mais... Au secours. Pain, pain, pain. Par contre, Andy, il a rien du tout. Hein.
Ah mais j'ai un bombardier avec Andy. Et j'ai un chasseur. Ouais, mes hélicos vont servir à... Les desserts ne peuvent pas passer, on est d'accord? Ouais voilà, là ils peuvent pas passer par là. Faut détruire ça je pense pour passer. Dans l'unité anti-aérienne. Ok. Attaque l'aérienne ça? Non, c'est vrai. Ah, ok. Ça, ça attaque que... Ok, les avions, les hélicos, c'est vrai. On se débarrasse de ça, comme ça ils bougeront pas. C'est quand même marrant que l'avion peut pas survoler le pipeline, là, quand même. Ça va être long. Le but, je pense, c'est de détruire le missile parce que je pourrais pas détruire toutes les unités, c'est impossible. Bon, les néo-tanks là, je sais pas ce que ça donne, mais ça a l'air de faire mal. Hein. Laf, tu m'entends? On a trouvé comment réduire ce silo en poussière. Tu en es sûr? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a 8 propriétés autour de la rampe de lancement. Elles fournissent l'énergie nécessaire au lancement du missile. Si tu captures les 8 propriétés, la rampe ne pourra plus fonctionner. A toi de jouer, Mr. Freeze. J'en occupe. Plus facile à dire qu'à faire. Cette maudite conduite empêche l'unité d'avancer. Si tu détruis la jointure, tu pourras faire passer tes troupes. Ça, j'avais compris. Et c'est ce que Nell m'a dit. Ah oui, bien sûr, je le savais déjà. Merci quand même. Ah, faut que je capture les 8 villes ici. Waouh, mais c'est chaudard, mon gars. Regarde tout ce qu'il y a dessus. What the fuck? Alors, attends, faut avancer des DCA quand même. Mais pas trop près pour pas qu'ils m'attaquent, genre... Ça, ça réduit les dégâts. Ah merde, il y a Andy qui me gêne avec son putain d'hélico en fait. J'aurais pas dû le mettre là.
Là, ça pète pas, hein. Ok, ça c'est cassé, c'est bon. Waouh! Oh non, il y a rien! Hop, c'est bon, ça passe! Ok, faut pas que je bouge. Un peu de chat, ça passe. Ah mais il a son pouvoir, j'avais pas pensé à ça. Ah mais ils ont gagné 6 les... Ils ont gagné 2 les lance-missiles. Ah, fait chier. Ouais, il a gagné... Ok, d'accord. Il gagne en... En distance aussi. Fait chier parce qu'ils sont bien en def là. Il faut que je capture les villes, mais le problème c'est que putain, mais il faut combien de... Il faut combien de d'infanterie en fait? Est-ce que j'ai des bases pour construire? Je crois même pas en fait. Hein. J'ai pas de base. Hein. Aéroport est capturé, on va capturer tout ça. Ça fait que 67. Bon, ça one shot tout, donc... Ah putain, c'est vrai que ça réplique. Ah ouais, moi... Eh ben, faut que je m'occupe des hélicos en prio, quoi. Génial. Et mes dessins sont toutes mortes là. C'est quoi son pouvoir, Olaf?
Neiger, ce qui a fait que le mouvement, toutes les unités sauf les siennes. Ça va tuer tout, hein. Tout ça, c'est mort. Tout ça, je comprends pas, en fait. Oh, je peux même pas attaquer ça, après. Je comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par prendre les villes autour en fait, parce que j'ai pas assez d'unités. Si j'en ai plein là en fait, mais oh, faut faire le ménage à donf quoi. Est-ce que je tue ça? Je suis pas sûr. En vrai, j'aurais dû amener mon chasseur ici. Bête, bête, bête. En vrai, faut que je descende des DCA par là, quoi. Putain d'antérien de merde. Si je vais attaquer ça, je me fais descendre. Est-ce qu'il faut que je sacrifie un hélico ou pas? Déjà, on va faire ça. Putain, sérieux. Mais j'aurais dû l'envoyer en fait. Début là-bas. Mais ça tue pas direct, hein. Ouais, non, ça fait que dalle en dégâts. Lui, on va le laisser là, en fait. Ah putain, il y a le lance-missile! Ça c'est chiant ça. Ça c'était inévitable, hein, je pense.
va tout me destroy. Hein. C'est ouf le nombre d'unités qu'il a là. S'il m'attaque ça à 1, je suis d'accord. Hein, c'est bon. Je suis d'accord, je prends. Ouais, détruis-moi ça, ça me va pour l'instant. Son lance-missile qui me casse les couilles. En vrai. Bon, on va faire ça. Hein. Faisons neiger. Blizzard. Tout le monde prend 2 points de dégâts. Sauf ceux qui sont à 2, ils vont à 1. Ok. Ok, un de mort. Il restera les hélicos. Mais bon. Ça sert à rien. Son lance-missile, il est là. Jusqu'au sapin, je peux. Voilà.
14 000. Je suis affecté du coup. Ah ouais aussi, ça pue ça. Anti-aérien qui casse les couilles encore. Hop, on fait une brèche. Ça va me servir à rien du coup le chasseur. Non mais genre la neige qui est pour les unités au sol, je suis d'accord, hein, mais pour les aériens, si quoi. Bon, pour l'instant, ça sert à rien. On va faire grand chose. Il a le pouvoir à fond déjà lui. Il m'attaque quasi jamais. Putain, casse-couille là. Bon, à mon avis ça me détruit direct. Hein. Pas tout mais... Ah merde, j'avais pas vu. T'as augmenté la puce de la portée de tir. Il est où son lance-missile? Ah mais je l'ai pas vu l'anti-aérien ici, mais je suis débilos. Mon mauvais. C'est mon faute, c'est mon faute, c'est mon faute. Mais il peut construire, lui il a une usine cet enculé là. Alors, si je vais là. Ok. Il est juste à droite là. Ah merde, ça Olaf de jouer, mon bad. Je fais rien en dégâts quoi. Bon, on sera débarrassé de toutes les unités aériennes, c'est déjà ça. Bombardier en plus, ça fait pas de mal, hein. C'est pas des avions ça. Ça non plus. Et qu'il reste pas beaucoup d'unités non plus. Alors, on réfléchit. Hein.
Après, le lance-missile, il faudrait que. Là, Jonathan, je l'avance. On va essayer de faire mal à un max d'unités possible. Hein. Je sais pas si je tue tout le monde, est-ce que ça marche? J'ai quand même ouvert une brèche à son tank M, c'est un peu con, mais bon. On a dit ça là. Logique. Oh, j'avais pas vu la DCA, mais je suis débile, je regarde pas. Ah, il regarde pas, je suis bête. J'avais complètement zappé la DCA. Heureusement que j'ai fait un autre bombard, mais chier là quand même. Ah, j'ai pas pensé. Bon, ça avance vraiment lentement donc ici. Gardez le pouvoir. Je suis un peu bloqué, c'est con. Oh, ça marche plus ça. Thank you.
Personne peut attaquer d'avion là. Hélico, c'est Heli, c'est pas avion, on est d'accord, attends. Voilà, il y a avion. On va faire lui. Ah. Kilo. Oh, rend 5 PV. On va défoncer ça. Ça riposte ou pas ça? Ah, ça riposte, j'avais oublié. Débile, 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 débile. Oula, attends, j'avais pas vu ce tentier aérien de merde là. Autant escamoter un max. Oh, parfait. Ça sert vraiment à rien lui du coup. Putain, mais son pouvoir, il le recharge tellement vite. Ah oui, du coup il peut faire ça. J'aurais peut-être dû m'occuper de cette merde aussi. Hein. Putain, il approche trop vite là avec ses machins. C'est chaud en fait. Hein. Il est où mon lance-missile? Ah oui là. Déjà 7 jours. Après 15 jours, nous avons perdu. Nous devons nous empêcher de capturer ces 8 propriétés. Oui, bah j'ai compris, mais... Ta mère. Ouf. Ok. Et où je sacrifie lui s'il veut l'attaquer, il est capable de le faire.
commencer à descendre les... l'infanterie, hein. Je tue là quand même. Ouais. Ok, on a dégagé tout le milieu. Il reste une merde là. Il reste toutes ces merdes ici. Ou là. Pour se déplacer. Ok. Elles pourront pas se déplacer. Excellent. Ça sert à rien d'attaquer ça avec une DCA quand même. Bisous. Ah, bisous lol. On dit il est pas à fond son pouvoir, c'est dommage. Ah du coup je peux pas. Ça il faut que je dégage. Chier, il est pas à fond du coup je peux pas. La donf du coup lui. Ça me saoule. Putain mais 8 unités là, il y a 8 unités à capturer en 7 jours, j'aurai jamais le temps en fait. Parce que si j'en capture 2, ça fait 2. Oh non, c'est impossible. Oh il a attaqué celui à 10, petit bâtard. J'aurais dû faire ça avant. Ça se trouve, je vais faire tout ça pour rien. Hein. Attaquer de toute façon. Waouh. Incroyable. Sans soi, je m'en fous. Ça se trouve, ça, j'aurais pu m'en servir pour mettre des troupes, mais je sais pas. Oh, pourquoi je suis allé là-bas en fait? Merde! Ah mais il regagne, pourquoi il est sur une ville? Ah oui.
J'y arriverai jamais, je pense. LOL. J'ai vu ces jours quoi, 7 jours restants. Ouais, il est ta mère. Tant pis. Je suis quand même assez sécure là-bas. J'ai capturé 3, ça peut le faire. Je pense que ça va le faire. Oh, on a enfin tué ce truc. Mais oui, c'est bon en fait, c'est win. Je pense. Ils sont vite en fait. Thank you.
Easy. Ça va être le GG. Il peut pas aller là-bas quoi, sérieusement. Ça va se jouer à pas beaucoup hein. Heureusement qu'il rapproche pas son lance-missile hein. Il reste 2 jours. Hein. Ça va se jouer à 1 jour. Je vais dire, waouh, qu'est-ce qui a pété? Oh non, il prend mon aéroport, merde. Je trouve dans la merde. Si ça se passe, ça se passe aujourd'hui, il faut agir. Malédiction. Si on avait pu lancer ce missile, on les aurait éradiqués. On les a toutes capturées. Le cible à missile est neutralisé. Waouh, on a gagné. Ouais, on a réussi. Mais j'aurais pu y arriver tout seul. On te faire quoi après ça, petit? Si ça te dit, tu peux continuer à te battre ici avec Blue Moon. Pour le moment, je vais rentrer sur Ranchtar. Quoi? Tu pars déjà? Je reviendrai dès que tous les miens seront prêts à partir. Ah, c'est ainsi. Eh bien, à la revoir. Non, non, on n'a pas besoin que tu reviennes par ici. Juste, mais GG quand même, et oui, merci Happy. Oh, autre. Rang S, mine de rien. Rang S. Bah, ça m'a l'air chaud là. Coucou Caramel, comment ça va? On va faire un niveau 3. Hein. Qu'a-t-on trouvé dans la ville d'Olaf? On continue à marcher. Que tout le monde avance. Il y a une ville un peu plus loin. On pourra s'y reposer. Moi, ça va très bien, je te remercie. Général, vous êtes à n'en pas douter de fort bonne humeur. Ouais. On va vers la neige ou quoi? Excusez-moi, Général, mais que va-t-on trouver là-bas? Ah! Il était temps que quelqu'un me pose cette question. Eh bien, en vérité, nous allons bientôt arriver dans ma ville natale. Hein? Là où tu es né? Tout à fait. Ça fait bien longtemps que je l'ai quitté pour m'engager dans l'armée. Je suppose que les gens seront étonnés de voir où je suis arrivé. Ah, ça oui. Alors, tout ce qui t'intéresse, c'est de leur montrer que tu es important. Regardez tous, Olaf rentre chez lui. La ville est en vue, chef. C'est... Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Non, non, je suis sur le boss de fin et sur la galère. Non, non, j'ai pas fini. Je comprends pas parce qu'à un moment donné, dans la dernière phase du boss, la troisième phase, je défense et il one shot quand même. Je comprends pas. J'ai l'impression que la défense c'est random du coup. Parce que j'étais vraiment en défense et il m'a fait genre 270 dégâts quoi. Bienvenue sur mon terrain de jeu. Après avoir fait tout ce chemin, aimeriez-vous jouer un peu? Tu... Monstre, qu'est-ce que tu as fait? Quelque chose ne va pas? Tu n'aimes pas mon terrain de jeu? Il est dégueulasse son truc. Ma maison, la place du village. De quoi parles-tu? Je ne vois rien de tout ça. Oh, il doit s'agir des lieux que j'ai abîmés lors de mes essais. Quoi qu'il en soit, j'ai caché une surprise dans l'une de ses propriétés. Tu crois pouvoir la trouver? Grit, Colin, reste en dehors de ça. Enfin, Colin, on va l'appeler. Elle est à moi. Ok. Ah, j'adore les missions où... qu'est-ce qu'il faut faire?
pas trop ce qu'il faut faire, mais... Un Recon, un VTB, ok. Elle a dit qu'elle a caché un truc quelque part, mais j'ai pas trop compris. Hop, tu crois capturer ça, tu te trompes. Je veux construire un truc stylé. On va attendre pour le tank M. Oh, comme c'est dommage. Oh, le petit fils de pute. J'ai complètement oublié ça. Ah, je peux pas l'attaquer, il va me recapturer ça. On ira reprendre ça. Qu'est-ce qu'il m'a construit là? L'artillerie, ok. Pas vraiment un avantage, même en montagne, non? Ouais, j'aurais pas dû tenter. Oui, t'inquiète, je vais revenir le capturer, t'inquiète pas. Oh, le fils de pute!
Reste combien? 15. Il a 1. Ok. On va attendre pour construire. Lol. Ah, mauvais choix, mauvais choix. Général, nous avons trouvé ça dans l'une des propriétés capturées. Qu'est-ce que c'est? Ah bah ça, c'est ce que tu as là est une carte indiquant un labo ennemi. Un labo? C'est-à-dire? C'est là qu'ils travaillent sur leurs nouvelles armes. Ça rendrait les choses un peu plus faciles si on pouvait nous aussi mettre la main sur ces armes. Je n'aime pas ça, utiliser les armes de l'ennemi. En tout cas, on connaît l'endroit, on peut au moins aller jeter un œil. Ou le labo du coup. J'ai pas capté. J'ai pas compris ce qu'il voulait là. Toujours de l'attaque, hein, mine de rien. Ah, il a un bazooka que j'avais pas vu. Ah, bien joué, la montagne, tu peux pas passer là. Ah, fais chier. Si on sacrifiait ce tank, c'était pas une bonne idée.
Elle m'attaque beaucoup plus que moi je ne l'attaque, elle va charger son pouvoir beaucoup plus vite. Oh, son bazooka, il fait tellement mal. J'aurais dû faire des bazooks au lieu de faire que des infanteries. Pas dû faire ça peut-être. Un peu con. Complètement con même. Créer un truc, mais bon. On va attendre. Ah bah oui, c'est sûr. Elle a son pouvoir, elle. Pour l'instant, elle fait que se déplacer. J'ai gardé mon... Ah. Je sais pas pourquoi j'ai pas laissé mon tank là-bas. Ah ouais, tu veux jouer à ça, toi. Toi, t'iras nulle part hein, déjà. Surtout me faire chier. Ça va être à moi. Je m'y attendais. Si
Ces bazookas, ils attaquent pas quand même. Pas mal. On va laisser se reposer. Hein. On va pouvoir lui péter ses bazooks, ouais. Et il peut en construire plein, ça coûte que 3000 et... et 10 000 et des poussières. Hein. Perso, je préfère aller attaquer le Recon là-haut, là. Ça, ça fait mal contre les unités à pied. C'est chier d'utiliser ça pour Ils sont 10 là, attends. Oh, pitié. J'ai pas vu la petite artillerie là. Je vais essayer d'aller capturer ça, hein, même si bah, elle va construire dessus. Je peux refaire un lance-missile ou pas? Ou un tank M, je sais pas ce qu'est-ce qu'il me... Pour l'instant, je fais rien, je vais attendre. Je vais te rapprocher ça là. Il a fait un putain de bazooka là, ça c'est chiant ça. Pour ça, c'est pas ouf. Hein. On va essayer de monter le tank M là-haut après. Bon, j'aurais quand même dû essayer d'aller l'attaquer quoi. Mais bon, avec la défense. C'est quoi, j'ai regroupé ça. Ah, je peux pas. Ça.
Ah, je peux pas traverser là. My bad. Ça, mine de rien, ça me bloque un peu. Voilà, dégage. Alors, vous êtes full OP, on attaque. On va avancer ce lance-missile. Proche possible aussi. Mais chier, en fait, j'ai sacrifié mes bonhommes là, je suis complètement con. Ah, il me fait un VTB juste pour bloquer en fait, cet enculé quoi. Ouais, utiliser son pouvoir, bien sûr. Là, j'ai pas encore pu utiliser le mien, moi, tu vois. Ça, je m'en branle. Je peux y aller, grand. Grand, hein. Là, encore une fois, et... On va tirer, évidemment. Putain, à chaque fois c'est 1, fais chier, je pourrais pas les mettre à 0 là. Évidemment quoi. Oh, c'est vrai qu'ils sont en def 3 là. Et il va regagner en plus derrière. Le petit con. Putain, c'est horrible. Faut que je reste par ici aussi, donc je vais faire plus d'unités. Hein. Je commence à avoir un peu plus de sous-cal quand même, mine de rien. J'ai pas encore mon super, il est pas... Ça en dégage. Ah ça je peux le voir ça. Euh...
C'est juste avant son tour, c'est pas mal quand même, on va le faire. Tu pourras reconstruire si tu veux. Je défonce là. Je pense qu'on est quand même en bonne posture là. Elle va reconstruire derrière, mais bon. Voilà. Au moins, on a le champ libre, là. Il reste que deux unités, c'est bon, quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Pas besoin de prendre le QG, hein. Je vais me mettre là-dessus, elle construit plus. Pour toi, ça c'est une 4 étoiles, mais je la trouve plus facile que l'autre, quoi. Oh oh, il ne fait pas bon rester ici. Je crois qu'il va falloir que j'aille jouer ailleurs. A plus. Voilà, c'est là qu'était ma maison. Général. Et juste là, c'était la place du village. J'y jouais toute la journée avec les enfants du quartier. Peu importait que le sol fût couvert de neige, ça ne nous dérangeait pas. Regardez ici. Devinez la forme de la place ? Olaf. Black Hole. Je ne vous accorderai aucun pardon. Ils ont détruit la ville. Ah, okay. Or en S quand même. Ok. Je me battrai sans cesse pour mon pays. Pourquoi elle est en rouge celle-là? 4, 3, 4. Je crois qu'elle était apparue avant celle-là. Une demi-heure. Trois canons prêts à faire feu. Comment traverser ces bois? C'est bien, les gars. Gardez le rythme. La victoire est juste derrière ces bois. Blue Moon se doit d'être plus fort que jamais. N'allez pas plus loin, patron. Comment oses-tu? Je parle à mes hommes. Nous fonçons dans une embuscade, ces bois sont truffés d'ennemis. C'est ridicule. Et ce n'est pas tout. Ils ont des armes de dingue pointées droit sur nous. Bon sang, de passer au travers ne sera pas une partie de plaisir. Qu'allons-nous faire? Ne t'inquiète pas, c'est moi qui m'en occupe. Je crois que mes talons sont les plus adaptés face à ces canons géants. Vraiment, Grit? Tu crois que tu t'en sortiras? Ouais, je devrais me débrouiller. Merci pour le GG, Caramel. Promenade. Oh la brouillard de guerre, ça va être chiant. Alors c'est toi qu'ils ont envoyé? Général Grit de Blue Moon, ton pouvoir est embuscade. Et tu es un spécialiste en combat indirect, j'ai tout dit? Eh ben dis-moi, tu connais bien ton sujet, princesse. Ce n'est pas grand-chose, je suis un génie, tu sais. D'ailleurs, ce canon est mon invention. Le canon Black Hole, il fait quoi exactement? Tu veux vraiment savoir? Eh bien, sa portée est bien plus grande que celle de ton matériel. Et je l'ai réglé pour qu'il puisse tirer tous les 3 jours. Je t'aurais détruit bien avant que tu n'atteignes ton but. Je vois. Je vais donc devoir me faufiler par les bois. Tu veux vraiment essayer? Je crois que oui. Ces canons sont sans doute très puissants. Mais être le plus gros ne signifie pas toujours qu'on est le meilleur. Il va
être temps pour moi de te donner une leçon, princesse. Bah ça alors, est-ce que j'ai peur? Soldat, écoutez-moi. Notre objectif est d'atteindre notre QG à l'autre bout de ces bois. Peu importe le type d'unité, l'un d'entre vous atteint le QG et on a gagné. Ah, il faut juste qu'on aille là-bas. Tant que vous êtes en forêt, vous êtes à l'abri des canons, alors restez-y. En outre, notre QG ne doit pas être capturé. Rencontre avec des troupes ennemies à pied devra se solder par votre victoire. Sur ce, mettons-nous en route. Alors, il est temps que je suis dans une forêt, ça passe. Ok. Tu n'utilises pas ton pouvoir sur une mission, tu peux le garder pour la mission suivante. Non, il faut tout remonter. Parce que tu changes quand même de général et tout, donc non, il faut... Ah ouais, mais il y a plusieurs. Il y en a un là, un là, un là. Pam, 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 pam. Pouah, ça a l'air violent. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est... Défonçons le plus d'unités possible. Oh, sérieux. Il a dit peu importe l'unité, hein. C'est-à-dire tous les 3 jours. Ericon, ouais. On va se mettre en forêt là. Ah ah. Faut se cacher dans les forêts parce que l'ennemi te voit pas. Hein. Ah, il tire. Pas tous les 3 jours qu'il tire. Il a tiré une fois là et. Mais c'est barré, je les vois plus. Je déteste ce brouillard de guerre. Utilisons les Recon. On va aller dans la. Là. Hop là. Pouah. Ok, dis-moi. Il va y avoir des unités cachées dans les forêts aussi.
Des bisous, Carmel, passe une bonne nuit. Et je pensais qu'il tirait tous les 3 jours, je comprends rien en fait. Il tire tous les jours en fait. Je comprends pas leur délire. Fais chier, je parle en lance-missile quand même. J'ai pas compris le délire des canons donc. Chaque canon tire tous les 3 jours. Ah oui, mais là, lui, il a tiré. Il a tiré deux jours de suite, en fait. Parce que lui, il a tiré. Et lui, il a retiré juste derrière, en fait. Et il avait tiré au premier tour. C'est pour ça que j'ai pas compris, en fait. Je suis en forêt pourtant, je comprends pas. Ouais, le chat t'attendra. Ah mais je suis à découvert parce que je comprends. Les armes du centre de monde bien plus. Je pense que vu qu'il a un, il me voit en fait. Il va tirer, putain. Chier ça.
Je sacrifie tank. Ça va sauver le tank M. Là pour moi il n'y a aucun ennemi. Excusez-moi. Il n'y a aucun ennemi là qui a une visibilité sur moi. Et tout le monde est en forêt à part ce petit tank de merde. Je crois que ça marche comme ça. Voilà, on est d'accord. Faut juste atteindre le QG, putain, mais... Je suis pas à l'abri de tomber sur une embuscade. Ah voilà, putain, bâtard. Skin. Oh putain, je voulais pas y aller. Je sacrifie le tank là. Il peut tirer à l'envers lui ou pas? Pas l'impression. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a passé un canon, il tire pas en arrière, on veut dire. C'est-à-dire que devant. Les recons sont super importants, mais il lui reste un de PV chacun. Ah, on peut détruire les canons. Ouah, ça a 99 de vie, ça. Au pire. Des dégâts, hein.
m'a mis le Recon. Ok. Oh là là. Je suis pas loin du QG, hein. Et j'arrive à aller jusqu'à là-bas, tu sais. Avec le brouillard de guerre, tes villes fonctionnent comme les forêts. Ah oui, c'est ok, d'accord. Je pensais pas à ça, tu vois. C'est vrai. Putain, j'arrive pas à atteindre des forêts avec, avec eux, tu vois. Elle est par là-bas, tu vois. Il m'a vu, j'ai pas compris. Ah, ok, il a bougé le tank après. Ah, parce que ok, là ils me voient parce qu'ils sont à côté maintenant. À mon avis, les derniers arbres là ils sont blindés. On va profiter pour régénérer tes unités aussi, ouais. Oh, je suis sûr qu'il y a un truc là. Quoi que j'y arrive là après? Genre je vais là et c'est fini? Il a dit avec n'importe quelle unité atteindre le QG quand même. Est-ce que j'ai compris? Et pourquoi sur ma ville du coup on va? Amène une unité à ton QG ou bat toutes les troupes ennemies. Mais une unité, c'est quoi? Une unité n'importe laquelle ou une infanterie? C'est pas expliqué en fait. Ça, je comprends pas en fait.
Je sais qu'il n'y a rien là. Tu crois que si je fais ça. Ah bah voilà, c'est tout en fait. Okay. C'est easy en fait. Impossible. Comment ont-ils réussi? Être battu ici, je n'arrive pas à y croire. Non mais les deux missions qui étaient 4 étoiles, j'ai mis. C'était moins dur que la 3 étoiles où il y avait le gros missile au milieu, quoi. Tu n'oublieras pas ce jour, princesse. Celui où tu as appris ce qu'il en coûte de déclarer la guerre à Blue Moon. Oh ça, je m'en souviendrai. Je n'oublierai pas de t'écraser. Lors de notre prochaine rencontre, le résultat sera différent. Ciao. Eh ben, content que ce soit fini. Au travail, général Grit. Bien joué, Grit. Après un tel jour, je sens que notre victoire finale approche. Nous devons juste aller à sa rencontre. En route. Oh, ça va. Trois missions, trois rangs S, bien passé. Donc... Belle petite session de 2 heures, là. J'ai bien kiffé. A mon avis, je pourrais faire que les missions avec le... Là, je veux dire, à mon avis, ouais, je sais pas. On va toutes les faire, on va essayer. Hein. Ok. Bam. Et ben, on va... J'ai pas vu les 2 heures passer, franchement, c'était super cool. On va arrêter le stream ici. On reprendra la semaine pro.